Ok, alors on se retrouve après avoir, comme vous pouvez le constater, attendez, il en reste un. On va le dégager. Et voilà. Du coup, je disais, on se retrouve après avoir dégagé la majeure partie de la forêt. Comme vous pouvez le voir, il reste juste cet arbre-là que je trouve joli, donc je vais le garder pour le moment. Il reste trois arbres là qu'on va s'empresser d'aller déraciner immédiatement. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, on va prendre un petit peu de hauteur avec le Ptera pour que vous vous rendiez peut-être un petit peu mieux compte. Mais il meurt! Ah, elle était niveau 90, c'est pour ça que ça posait problème. Bon, bah, j'arrive pas à le... possible ça! Merci. Je disais donc, hop, je prends des branchages parce que j'ai trop de bois déjà, donc trop de bois. On n'a jamais trop de bois, mais j'en ai beaucoup, donc aucun intérêt. Donc je disais, on va prendre un petit peu de hauteur avec le Pteranodon, et vous allez voir à quel point ça fait vide. Ah, je crois que c'est ici que ça va le bois. Ouais, c'est là. Vous voyez, niveau bois et branchage, on est largement bon. Et niveau pierre, on est largement bon aussi. C'est pour ça qu'on va pouvoir commencer à construire l'Amazon. Je sais plus quelle armoire c'est un peu le bordel, il faudrait que je mette des pancartes. Et comme vous pouvez le constatationner, eh ben c'est déjà tout de suite plus beau et... enfin, il y a moins d'arbres, quoi. Donc on va pouvoir construire notre base ici. On va construire notre base ici. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire une vraie maison. Et après, on pourra s'étaler un peu partout, genre la serre, la fonderie, le truc scientifique. Enfin, bref, on pourra faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et j'aime plutôt bien. Et après, on pourra mettre les dinos un peu partout autour. Ça pose pas trop de problèmes. Puis de toute façon, pour les dinos, il y a les cryos. Même si les cryos ne sont pas encore admises dans cette version. Ça serait tardé, même si c'est pire, même si ça prend un an et qu'en attendant, il faut mettre les dinos, on va se débrouiller. Hein. On faisait comme ça avant, donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est finir la maison. Et comme vous pouvez le constatationner, il y a un Terry qui traînait juste à côté, mais il était niveau 5. Il est niveau 5, c'est ça? Ouais. Niveau 5, et bah, concrètement, 3 flèches. 3 flèches tranquilles, et bah, il était comme ça. Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, il a mangé que deux fois, il est déjà à 40%, donc ça va très très vite. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire, au moins on aura un Terry. Je voulais regarder avec vous la selle de Terry. À mon avis, elle est très loin. Je sais pas si... je pense pas qu'on puisse la débloquer à notre niveau. Et pareil, je vais vous parler des niveaux juste après. On a la Mégalodon, qui on veut dans tous les cas. Voilà, on a le Tilacoléo. On a le tapis de Jara, mais c'est tout. Du coup, c'est ça que je voulais voir avec vous. On va dégager le sel. Et on va aller tout au bout. Puisque j'ai des... alors, on va quand même se permettre de... où est-ce que c'est? Vitesse, voilà. Je voulais vous montrer ça. Je suis arrivé niveau 55. Enfin, maintenant, on est niveau 59. Mais du coup, pendant que je farmais... j'ai débloqué le niveau 55. À partir du niveau 55, on débloque pas mal de trucs. La salle de Tapecha, qu'on va évidemment débloquer. Le semi-auto avec le fusil à pompe, qu'on va évidemment débloquer. Mais surtout, l'armure en métal. Alors oui, il faut celle de camouflage aussi, donc forcément. Donc nous avons enfin l'armure en métal. Alors il en faut 10, 6, 8. 13 et 16. Il en faut pas tant que ça en plus. Là, je vois qu'on a un radeau à moteur. Je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, quand je vois la quantité de ressources que ça demande, on va pas le faire. 400 polymères, chiant à farmer avec les pingouins, ça va vite. 1200 de métal, c'est long à farmer. 150 d'obsidienne, ça va. Fibre, bois, peau, c'est tranquille. Et les perles noires. C'est des perles noires, quoi. C'est très compliqué d'avoir ce truc-là.
Le fusil d'assaut, je sais pas si je vais l'unlock dans le sens où j'en ai pas besoin. Et je pense pas de toute façon crafter ce fusil d'assaut à 100%. Si on en trouve dans des balises, pourquoi pas. Mais le fusil d'assaut 100% de base, je le trouve nul en fait. Je le trouve nul, donc je vais pas l'utiliser. Alors, le Terry, tu vas être gentil de continuer à dormir. Merci. Du coup, dans cette vidéo, eh ben on va juste continuer la construction de la base. C'est parti. Alors, il faut qu'on prenne. Alors, peut-être pas prendre les pierres dans un premier temps. On va prendre les branchages, on va prendre le bois et on va prendre toutes les pierres qu'on peut. Voilà. Et on peut s'en faire 12. Normalement, 12, je pense que ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour terminer la base. Je suis pas prêt de bouger. Hein. Pareil, on prend toujours pas mal de niveaux. Et ça, c'est juste avec des fondations. Donc, il y a toujours le gros dino qui est bloqué là-haut. Je pense qu'on ira le tame. Je sais pas si c'est un bronto ou un diplo. Je crois que c'est un bronto celui-là. J'ai du mal à faire la différence. Je crois que le diplo, le coup est vachement haut et que le bronto, c'est plus un peu plus plat. Je crois qu'il le représente comme ça dans Ark. Alors, on peut faire voilà, tout le long. Ok. Du coup, pour moi, la maison est pas mal comme ça. Je sais pas si je retouche à quelque chose. 1, 2, 3, 4. Et ici, on est à 3. Est-ce que je rajoute. Je sais pas. Il y a combien de fondations ici? C'est une excellente question. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Et là-bas, il y en a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, tout est symétrique. Je pense que c'est juste les armoires qui troublent un petit peu la vision. Ça doit être un truc comme ça. Bon, alors le pareil commence sérieux. Il commence sérieusement à m'enquiquiner. Hop, on peut poser tout ça. Du coup, on va pouvoir poser la fondation qui nous reste. On n'en a pas du tout besoin. Maintenant, on va s'attaquer aux murs. Alors, les murs. On remplacera les murs par du verre plus tard. En attendant, c'est vrai que les murs en pierre, ça va très bien faire le taf. 23 murs en pierre, ça suffira pas. Attendez. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en crafte beaucoup trop là, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on en aura besoin pour le deuxième étage. Donc, c'est pas grave du tout. Mais normalement, il m'en faut juste 24 pour faire le tour de la maison. Évidemment, je pense que je vais mettre des fenêtres en bas. Oh, ça descend super vite le. Ah, il manque. Il va tout me manquer d'un coup. Ouais, là, il manque et le bois et les pierres. Je crois que c'est ça. Alors, du coup, 6. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on fait l'entrée? Moi, je serais chaud pour faire l'entrée. Genre. Alors, il n'y a pas de symétrie, malheureusement, mais. Peut-être faire plusieurs entrées dans le sens où. Ouais, on va faire ça. Je vais faire plusieurs entrées. Ça me paraît pas déconnant. On va s'en faire une là. Et on va s'en faire une là. Ça me paraît pas mal comme ça. Est-ce que je peux le ramasser ce truc-là ou pas? Ouais, ramasser. Est-ce que je peux le ramasser celui-là? Ramasser. Il y a quand même un truc qui me chagrine, moi, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, il en manque quand même. On va faire un truc. Je pense que c'est une bonne idée d'agrandir comme ça. Donc il m'en manque combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, moins 1, 13. Il m'en faut 13. Ah, il va me manquer quoi? Peut-être le bois. Ah non, les cailloux aussi, ouais. Alors, 7, ça fait 10. Il va m'en manquer 3, 2 et 3. Ok, normalement, je vais avoir toutes les fondations qu'il me faut.
En attendant, on prend une tonne de niveau, c'est aberrant. Je sais pas trop à combien faudrait que je monte en poids ici. Dans le sens où les armures finales, elles pèsent une blinde. Mais honnêtement, je pense que ça sert à rien de monter à plus de 400. 400, je trouve ça déjà overkill. Bon, peut-être la vitesse. Pour ceux qui posent la question, pour activer la... ça, il y a besoin. Il y a besoin. Pour activer la vitesse, c'est une option à cocher dans les paramètres. Tu coches l'option et tu peux accéder à... Tu peux modifier la vitesse. Parce que par défaut, tu peux pas normalement. Mais c'est juste une option à cocher pour pouvoir le faire. Oh non, il s'est réveillé, j'ai pas fait gaffe! Oh, je suis giga deg. J'étais concentré dans la construction et du coup j'ai pas fait gaffe. Ah, par contre j'espère que dans son inventaire il y a toujours... Il y avait 80 narcotiques dans son inventaire. Ah, oh, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Bon, bah faut récupérer des méjoberries. C'est le truc violet là. Ah, j'étais trop à fond dans la construction, j'ai complètement oublié le terrain. Mais je pense qu'il fait que de se réveiller, hein, parce qu'il était juste à côté de là où il s'est endormi. Comment je suis dégoûté! J'ai perdu 80 narcotiques. Oh. C'est pas chiant à faire les narcos, mais... Si, si c'est chiant à faire les narcos concrètement, c'est chiant, c'est relou. Bon alors, loterie. Mais c'est ça en fait, sa torpeur, elle descend à une vitesse pas possible. Vas-y, bouffe tous les narcos. Bon, alors, dans mon malheur, il est déjà revenu au pourcentage de quand je l'ai laissé tout à l'heure. Je sais pas si ça peut avoir un quelconque... S'il y a un quelconque rapport, je sais pas trop. Alors, par contre, question de balle, est-ce que j'ai encore des narcos, moi, maintenant? On va en prendre combien? 30? Je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Je sais pas jusqu'à combien il va monter, là, avec les narcotiques que je lui ai forcé de bouffer. J'avoue que je sais pas trop. Il en faut peu pour être vraiment très peu pour être. Faut se satisfaire du nécessaire. Ha ha ha! Bon. Ça va pas. Ah, si, ça commence à descendre. Ok. Je vais lui en faire bouffer quelques-uns. Et il va falloir surveiller sérieusement ce truc-là. Du coup, il me manque deux fondations. Donc, bon, bah, on va les faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et là, ça me paraît vraiment parfaitement symétrique. Je pense que ça va être mieux comme ça. Alors non, j'ai déjà du bois, j'ai déjà du branchage. Il me faut juste deux fondations. Voilà. Et un nombre incalculable de toits. De toute façon, les toits, je pense que je verrai ça un peu après. Vas-y, craft le dernier que je fous tout là-dedans. Oh, les, par contre, mon stock de pierres, j'en avais 4500. Bah, j'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Ça c'est ouf quand même. Hein. Du coup, on a une porte ici, on a une porte là. Et on va faire une porte en 4. Et là, si je me mets là, je suis là. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, c'est pas symétrique. Du coup, peut-être plus ici. Voilà. J'aime la symétrie. Ah, comme ça, j'ai 4 portes. Je peux sortir un peu de d'où je veux. Ouais, encore une baie et c'est bon. On met ça là. On a encore pris un niveau. Pff, vitesse. On va tout mettre dans la vitesse, de toute façon. Sel d'Argentavis, fléchette tranquillisante. On n'a pas encore de fusil. On n'a pas le métal, donc c'est un peu compliqué. Donc là, normalement, l'inconscient devrait remonter au maximum. R, R, R. Ouais, comme ça. Comme ça. Je pense qu'on est pas mal en faisant un truc comme ça. Ouais, là je vais en foutre un là. Et après, un là. Et le reste, ça peut être des murs normaux, pardon. Ça fait une sacrée maison là quand même. Hein. Bon, déjà, les tortues vont pouvoir ne plus rentrer dans la base. Ça va être un bon point. Ah bah oui, j'avais calculé pour quand j'avais encore rétréci, mais vu que là c'est grand maintenant. Il m'en manque 1, 2,
1, 2, 3, c'est tout. Je fais une maison un peu overkill niveau taille, honnêtement. Hop, 1, 2, 3. Et on peut crafter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ou 13, je sais pas. J'ai pas bien compté. Bon bah, on va tout faire, on va bien voir. Hop. On va aller poser les murs qui manquent. Oh, il peut pas courir du coup, le relou. Est-ce que j'ai tout craft? Non, il m'en manque encore un petit peu. J'ai quasiment plus de bois. Il me reste très très peu de cailloux. Va falloir retourner farmer. Ça va que ça prend pas 3 heures à farmer quand même, hein, parce que sinon... cadre de trappe en pierre. Stone reinforced cellar d'or. C'est quoi ce truc? Oh bien, nickel, on a le terri. Bon, est-ce que j'en ai besoin ça pour l'instant? Je pense pas. Ramasser. Alors par contre le terri tu vas me saouler parce que... Bah comment tu sors de là en fait là? Ouais, par contre il va m'emmerder là, il va falloir que je le sorte de là à un moment donné de toute façon. Alors on va quand même mettre les toits, mais juste des toits normaux. Ouais, ça. Et ben. Ok, ouais, ça me paraît bien comme ça. Ça me paraît bien. Et du coup... Ah ouais, même pas besoin de changer, là ça s'adapte directement à... À l'endroit où tu veux placer. J'ai oublié un endroit ou pas? Oui, j'ai oublié ici. Et du coup, je crois que j'en ai fait deux en trop. C'est possible. C'est possible parce que j'en avais déjà craft une et j'en avais compté 13. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai pu compter 13. Puisque c'est symétrique, donc c'est forcément 12. Et j'en avais un en trop, donc il m'en reste deux. Ça paraît cohérent. Ok, bon, ça avance bien. Hein. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. On verra pour mettre également une tonne d'armoires ici. De toute façon, à l'avenir, on aura que des coffres forts. Le terri. Le terri m'emmerde un peu. Le terri va rester là temporairement. Hein. Temporairement, il va rester là. Ça, là. Ça, il va falloir qu'on l'unlock. Donc, ça. Hop. Ça part. Ça aussi, de toute façon. Et bah, ça veut pas. Donc ça, pas le choix, de toute façon, même si on n'a pas de cristal pour l'instant, ça sera bah, malheureusement utile, enfin, en vrai, heureusement, utile pour faire la serre qui sera, je pense, juste à côté, ici. Le terri me bloquant la porte d'entrée, je pense qu'on fera la serre ici. Ça sera pas mal comme ça. Faudra que je fasse une rampe aussi pour rentrer, parce que là, c'est vrai que pour l'instant, genre... Bah, tu rentres dans la maison et tu te casses la margoulette. Et de toute façon, je pense que tout autour de la maison, je vais faire des fondations en pierre. C'est juste que bah, pour l'instant, l'important, c'était la maison. Alors lui, il a pris un niveau, c'est parfait. On va lui augmenter poids. En 18 de poids à chaque fois, c'est vraiment pas mal. Alors, faudrait qu'on crafte du coup maintenant tout ce qu'il faut pour la maison. Hein. Ça paraît un peu évident, mais c'est tout bête. C'est ça. Bois, peau, pierre, lingot. Alors. Bois, pierre, peau, lingot, oui, mortier, oui. Ah ouais, du coup maintenant il manque des pierres. Forcément, je vais me crafter deux établis, comme ça on pourra craft certains trucs. Wood table, ouais, ça je veux, qu'est-ce qu'il faut? Bois et métal, on va se la craft. J'ai vu qu'il faut 100 bois, schéma, parfait, la table, et on va mettre les mortiers sur la table, ça fera un peu moins, où est-ce que je peux mettre ça? Je peux mettre ça là peut-être en attendant, c'est pas mal, hop, on peut mettre ça là, on va prendre les trucs de mortier, on presse up pour rotate, on va zoomer pour voir ce que je fais. Et voilà, on a nos trucs de mortier sur la table, ça fait un peu plus présentable, je trouve. On va mettre... Oh, ça bug à moitié.
Nos établis, je pense que les établis, on va les mettre. Est-ce qu'on les met en plein milieu ou pas? Je pense que les établis, c'est peut-être mieux de les mettre comme ça. On va les mettre comme ça, et là, je mettrai des panneaux pour ce qu'il faut. Pour faire les forges, pierre, silex, fibre. Alors, la fibre, c'est pas trop un problème. Je sais pas si j'ai besoin de ça, dans le doute, j'en prends. On va prendre toute la pierre qui reste. Et de la peau. Est-ce que normalement j'ai ce qu'il faut? Le silex. Il manque juste du silex. Il va manquer de la pierre. On va récolter 20 pierres. La forge. Comme ça on a deux forges. Ce qui est pas beaucoup, mais ça suffira dans un premier temps. On a nos deux forges qu'on va pouvoir mettre là, c'est très bien. Ok. Voilà. Dégage. Le si peu de cailloux qui reste. Ça paye vraiment pas de mine, mais c'est mieux que rien. Hop, et tout ça, on peut refoutre ça là. Ça, on est bon. Maintenant, on va prendre toute la viande pourrie qu'on a. La viande normale aussi, hein, évidemment. La partie narcotique. Ça, ce sera la partie poudre à canon. D'ailleurs, tout ça là, en vrai, ça me sert à rien. Bon, il faut directement que je la transforme en poudre à canon. Ok, on a un peu de charbon donc ça va. Est-ce qu'il me reste du bois ou pas du tout? Ouais, un petit peu mais pas suffisamment. Alors j'ai vu que j'avais pris un niveau, donc pareil dans la vitesse. Pas la peine pour le moment tout ça. Hein. Castoroid peut-être relativement rapidement pour le bois, et encore comme dans cette map il y a les mammouths, je sais pas si c'est réellement utile. Donc on verra en temps voulu. On va prendre un peu de hauteur pour voir ce que ça va donner. C'est pas mal, on a une bonne base. Bon écoutez, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. En vrai je suis en train de regarder la maison du haut là et en vrai ça me plaît bien. Hein. J'aime bien le début de base qu'on a commencé à faire. La prochaine fois j'irai retourner farmer une armoire ou deux de pierres complètes, pareil pour le bois, etc. Comme ça on pourra continuer la construction. Donc ça, ce sera soit dans le prochain épisode, soit encore dans le prochain. Parce que je pense que le prochain épisode, je vais partir un peu à l'exploration. Pour voir tout ce qu'on peut trouver de sympa dans cette map. Bébé Dilophosaure. Ça, c'est rigolo, ça. C'est mignon. Bon, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.